Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne. Excellente idée. Mais que fait-on des paysans? On les met à la ville? Je mets mes boucles et après on y va. Et toute belle, ma Chantal. Oh. C'est merveilleux. T'as mis ta petite... Ma barboule. Ton petit porte-bonheur. Bon, ben, on va reprogrammer une manif. Hein. Ils prennent un peu trop d'assurance. Et le comité de soutien, c'est... il y a combien de personnes maintenant? C'est, oula, c'est énorme. Hein. Peut-être 300 là, à l'heure qu'on est. Hein. La coordination rurale, la confédération paysanne, ça c'est sûr que... Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas que les paysans. Hein. Oui, il y a beaucoup. En dehors de la profession, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. Oui. Il y a beaucoup de gens. Ça a ému beaucoup de gens, ça, Marie, tu vois. Oui. C'est une histoire qui a beaucoup bouleversé le monde. Vous avez vu comment elle est belle, notre Chantal. Non, moi j'entends. Oh, que vous êtes jolie. Que vous êtes bon. Que vous chantez bon. Merci à tous pour votre présence. Preuve que l'affaire d'une condamnation pour une mise aux normes d'un tas de fumier ne vous laisse pas indifférent. Ainsi que le sort d'une agricultrice de 17 hectares sont à Dieu. Suite à la plainte des époux de Mur, ses voisins, Mademoiselle Jeu a été condamnée par un arrêt du tribunal de Nevers du 7 septembre 2007 à une astreinte de 50 euros par jour pour se conformer au règlement sanitaire départemental pour une mise aux normes d'un tas de fumier dont la présence date de plus de 50 ans. Il faut que vous sachiez que les bénéfices de cette présentation seront donnés à Chantal pour l'aider à payer sa fumière. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous... Où est-ce qu'on met le fumier, Chantal? Alors, vous le mettez là-bas, vous allez me suivre avec la brouette. Ok. Vas-y, roule. Vous me suivez, puis je jalonne. Tu mets des petits temps. Voilà. Tu mets un petit temps, t'as la brouette. Voilà. 35 mètres des maisons, hein. Mais c'est pas grave. On va le mettre là, comme ça. Pour que je me... Là. Là. Bon alors, Michel, vous allez enlever le fumier là. Oui. Et vous le mettrez là-bas où j'ai commencé d'en déposer deux brouettes, c'est les limites en D'accord. quelque sorte. Hein. On va plus loin. Ouais. On va le mettre proprement voilà. Devant, dans la cour devant pour Chantal. En oui, sachant oui, que plus monsieur et madame de Mur nous le font remuer, plus ça sentira mauvais. Plus ça sent, ça va de soi. Hein. Oui, non, j'ai appelé les gendarmes qui ont pris note que les travaux commençaient, que nous avions été faire toutes les démarches après travaux, permis de construire et compagnie. Oui. Par contre, ils préconisent quand même qu'on prévienne les deux murs. Mais voilà. On n'a pas d'avoir de contact avec ces gens-là. Ben moi, je préférerais quand même. Non. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. Nous, on fait ce que la justice nous oblige à faire. On s'est engagé devant le préfet, à la dalle. Et nous, on tient nos engagements. On demandera aussi à monsieur le maire de venir constater que la dalle est bien faite. Vous avez des ennuis avec des voisins aujourd'hui? Ben oui, qui durent depuis 2003. Oui. Les Parisiens. D'accord. Et ça concerne
plus ou moins une mise aux normes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez fait une démarche pour la mise aux normes de votre exploitation? Non, c'est pour ça que j'ai été condamnée. C'est mon entêtement qui a valu que j'ai eu les 50 euros. Depuis 2004, je prétendais avoir raison et j'avais tort. Vous êtes seule? Oui. Seule exploitante? Oui. Seule sur l'exploitation? Oui. Bon. Vous avez payé déjà quelque chose? Ah oui, ça y est, ils ont prélevé, ils ont bloqué mes comptes. Ah d'accord. Depuis le 5 décembre 2008, mes comptes ont été bloqués. Donc vous avez payé 16 000 euros? Ah oui, j'ai payé 16 000 euros et j'en ai encore. Qui suivent là. Oui, ça veut dire que maintenant vous êtes sous astreinte de 50 euros par jour. Oui. Mais avant aussi, hein. Avant aussi. Ah oui. Il y en a plus beaucoup. Ah oui. La piscine, elle est là juste à côté du tas de fumier, juste derrière. Voilà. Coucou. Elle voilà. Est là. C'était une bonne idée de la mettre là, moi, je trouve. Hein. Ah ben, ils sont chez eux, hein. C'était... Mais moi, je suis pas chez moi. Vous êtes plus toute seule maintenant. Vous êtes plus la petite chose. Non, ça, c'est vrai. La petite chose à abattre qui dérange ouais, parce qu'on fait. Veut votre tout place. Mais là, vous êtes encore là pour l'instant. Oui, hein. Oui, là, je refais un petit peu surface. Vous êtes encore un petit peu là. Bon, alors laissez faire. Marguer, c'est très joli, hein. Bien sûr. Il s'est bien arrangé chez eux. Qui c'est qui a cassé là? Ah ben, attends, c'est le vent, hein. C'est pas moi, hein. Non, ben, je me doute, Chantal. Ah ben, non. Regardons, il y a une potiche qui est tombée. Eh ben. Ça va être moi qui va avoir fait ça. Ben oui. Je vais l'avoir cassée, en tout cas. Il fallait bien prendre une décision, hein, et puis faire les travaux. J'y tenais pas trop parce que je me dis, en fait, c'est un pas franchi vers eux parce que quelque part, je m'abaisse. Mais enfin, bon, attends, les 50 euros, hein, oui, ça dégraisse, hein, 17 000 euros. Hein. Oui, non. Et vous savez que ces fumiers-là, ils demandaient 500 euros à la base, dans leur conclusion. 500 euros par jour. C'est la justice qui est rentrée dans leur jeu. On croirait que j'ai tué père et mère pour avoir une telle condamnation. Ah, hein. C'est sûr. Hein? Ah, je vous assure. Hein. Il y a des fois des moments qui sont durs à passer dans une vie. Hein. Oui, surtout quand c'est long comme ça. Hein. Ouais. Et je voudrais qu'ils arrivent en début d'après-midi avec tout ça, là. Alors l'autre, vous allez voir, la blondasse, elle va exploser. Mais c'est pas possible. Mais Jacques, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'on est? Oh! La voilà! Oh! Ça y est, les voilà! Qu'est-ce qui se passe? Et là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Oh là. Vous ne pouviez pas le mettre dans le salon? Ça aurait peut-être été plus correct. Monsieur le maire, bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, là? Là, je suis comme vous, j'arrive, donc les madame... On va vous expliquer, monsieur Lamure. C'est tout simple. Il parle connotable. Nous sommes en train de mettre en conformité ce que vous avez demandé. Attendez, monsieur. Pour que mademoiselle... En conformité, monsieur, pardon. C'est les conformités. Il ne faut pas me faire quelque chose de provisoire. Hein. Oh, bien sûr que non, monsieur. Parce qu'il faut me faire venir des organismes de compétences. Si je comprends bien, vous m'attendiez. C'est le comité d'accueil. Non, c'est le comité de soutien. Comité d'accueil, c'est très bien, ça. Alors, expliquez-moi ça, monsieur. Est-ce que c'est un comportement? Pourquoi vous n'avez pas mis ça dans des bennes? Parce que nous n'avons pas de benne. Vous êtes partie prenante. Non, vous ne connaissez pas l'affaire. Alors vous vous taisez. Vous ne la connaissez pas dans le fond, madame. Non, pas du tout. On la connaît jusqu'au bout. On connaît tout. On connaît tout. On a tous les papiers en main. J'arrive de Paris. Jean, je suis scié là. Oh, bah oui, c'est tout. Oui, on va voir demain. Par contre, heureusement que les autres sont pas.
policiers, hein, depuis qu'ils ont fait chier. Depuis 2003. Dès que ça va être sec. Mais pourquoi tu parles comme ça, Chantal? Mais non, mais non. Pourquoi tu méchantes comme ça? Mais c'est vous qui êtes des méchants. Tais-toi. C'est vous qui êtes des méchants. Vous aviez quelqu'un qui avait une ferme avec une brouette, qui ne vous salissait pas. Vous avez voulu remuer la chose, vous lavez la chose, que voulez-vous? Maintenant, vous êtes dans le purin, vous êtes dans tout, que voulez-vous? Attendez, monsieur de Hure, mademoiselle Jeu était condamnée à 50 euros par jour d'astreinte. Monsieur, on a fait un protocole d'accord, elle l'a refusé. C'est l'argent. Vous êtes des fumiers. Chantal. Vous faites des misères parce que la cour est commune. Ouais. Oh, c'est un droit de passage, c'est tout. Vous allez critiquer parce que j'ai mis des longs. Ce que vous avez demandé, monsieur Demure. Allez voir un psy, c'est grave. C'est grave. Ah bah vous, hein. Allez voir un psy. Eh, vous êtes sénile, vous. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Monsieur Demure, arrêtons. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Le fumier vous dérange là-bas et il vous dérange là. Et merde. Chantal, espèce de vieux con. Chantal. Monsieur Demure, écoutez. Bon, si vous êtes un méchant. Hein. Non, moi, pour moi, vous êtes un méchant. Moi, je suis gentil. Vous êtes un malade, un jaloux, un haineux. Ouais. Ça se voit. Vous êtes un mal baisé, ça se voit. Ne perds pas ton temps. Allons. Ne perds pas ton temps, Daniel. Mais Daniel, ne perds pas ton temps. Tu as bien la gueule que t'as. Regarde un peu. Un homme si distingué que vous, avoir un langage si vulgaire. Oui, parce qu'avec des ploucs, ça convient pas. Avec hein. des ploucs, je parle en plouc. Ça ne convient pas. Vous avez du raison, coup, monsieur hein. Demure. Allez, viens, ça, ils vont te faire des misères. Et la tolérance, ils en ont pas. Hein. Non, faut oui, mais continuer justement, comme ça, faut les brûler. Hein. Faut être plus intelligent qu'eux, puis c'est tout. Demain, on vient, on met la bâche. Mais bon, ça gonfle hein, quand même. Bah oui, c'est sûr, ça bout depuis le temps que, ça dure. Quoi. Ça vous met la pression. Ah oui, oui, ah, bon, bah, c'est sûr. Hein, ça retourne, hein, de toute façon. Mais enfin bon, s'il allait là-bas en Corse, comme j'ai reçu des courriers... qui m'ont dit, s'ils allaient en Corse, ils n'existeraient pas longtemps, parce que voilà longtemps que ça serait brûlé, la cagna. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors là, c'est bien. Attends, on peut rien dire. Alors, attendez. Regardez, madame, venez voir. Oui. 1, 2, 2,50 m. 3 mètres. Et là, on a à peu près un stock de... Allez, on va dire 100 mètres cubes. Hein? Et tout ça, ça s'en va dans les... Regardez, ça s'en va dans les eaux pluviales. Regardez l'écoulement qui se passe là. Regarde Geneviève. Hein, ça va dans les eaux pluviales. Là, c'est pas possible, Jacques. Bon, on va aller prévenir les gendarmes, voir s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, parce que là, ça devient désolant. Hein. Bon, alors moi, j'ai une catastrophe, un gros ennui, un gros pépin. Nous sommes arrivés hier soir de Paris et nous avons trouvé devant la porte de ma fille et de mon fils à peu près 100 tonnes de fumier entreposées là. Dans la cour commune, à 3 mètres de la porte. Alors, est-ce qu'il est possible que vous puissiez venir faire un constat, faire quelque chose pour nous faire évacuer ce fumier? On ne peut pas vivre avec ça du tout. Hein. D'ailleurs, hier soir, nous étions attendus par un comité d'accueil très houleux qui nous a insultés et banni tous les noms. Et je ne vous ai pas payé hier soir parce qu'il était quand même fort tard, je ne voulais pas vous déranger. Mais là, on est quand même anéantis. Hein.
Elle a déterminé que c'était elle qui était propriétaire de la cour, alors que moi j'ai acheté avec un acte de propriété que c'est une cour commune. Mais elle chante un jeu. Comme ça fait 15 ans qu'elle occupe les lieux sans personne, elle a fini par imaginer, par croire que c'est à elle. Alors ce scénario-là, il faut qu'elle arrête. C'est pas à elle de déterminer si la cour est commune, puisqu'il y a un procès en cours. Je lui ai demandé hier de bâcher la fumière pour pas que ça soit en face de votre porte. Bon, ça va durer 15 jours, 3 semaines, ma carte. Non, mais merde, je veux pas 15 jours, un tas de merde devant ma porte. Oui, mais si, attendez, monsieur. Et vous l'avez dit vous-même, si je fais ça chez vous, vous allez pas le supporter, allons. Si le temps se rassainit, mademoiselle Jeu va faire enlever tout ça. Écoutez. Là, vous allez commencer à me raconter un film à la Chantal, et ça, c'est un film qui est pas très agréable à voir. Car, elle a un champ qui est à 30 mètres, vous le savez. Pourquoi elle ne l'a pas mis dans son champ? Deuxième possibilité, pourquoi elle n'a pas fait comme elle l'avait fait précédemment avec deux bennes? Qu'elle emmène deux bennes là-bas. Si je vais, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux. Si je vais chez vous et je vous mets 50 mètres cubes de fumier devant votre porte, répondez-moi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben là, de toute façon... Non, répondez à ma question, qu'est-ce que vous faites? Je ne serais pas content, bien entendu. Bon, tout à fait. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas content. Mais vous laissez ça comme ça? Non, je demanderai à la personne de le faire enlever, oui. Et alors, cette personne-là, vous la connaissez? C'est une malade. C'est une pathologie. On ne peut pas en parler avec cette personne, il n'y a pas de dialogue. C'est du monologue, c'est comme si on parlait au diable. Alors vous, en tant que maire, vous avez pris des responsabilités, il faut aller au bout. Cette personne-là, elle est en dehors de la loi, elle n'a pas le droit d'entreposer 50 mètres cubes de merde devant ma porte. On n'est pas au Moyen-Âge, quand même. Non, tout à fait, je sais très alors bien. Alors qu'elle veut faire jouer une rivalité. La solidarité, qu'elle fasse jouer la personne qui est dans le besoin. Elle a dépensé 200 000 balles pour faire des procédures qu'elle a perdues. Elle a fait 7 procédures contre nous. Elle a dépensé plus de 200 000 balles, je m'excuse, je parle en franc, compte tenu de mon âge. Et qu'elle vienne aujourd'hui vous dire, monsieur le maire, je suis dans la précarité. Mais arrêtez, quoi, arrêtez. Non, mais ok, ça, je... Arrêtez. C'est pas assez chaud, ça. Voilà. Voilà. Allez, hop, ta figure. Tourne-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Ma fille, écoute vraiment. Là, voilà, attends. Oh, t'es pas belle comme ça, hein. Oh non. La cour lui appartient, même le pouvoir. Ben, ils ont construit chez moi. Leur limite, c'est le pied de leur mur. Ah bon? Regardez les lampadaires qu'ils ont mis chez moi. Ah ouais, d'accord. Moi, j'en veux pas. Qu'ils mettent de la lumière, mais à leur façade. Regardez, voyez, c'est en or, ça. Ils ont mis des gouttières en or partout, mais ça fait beau pour Chou. Tu vois, Chou, ça va, ça te plaît comme ça? Oui, ça va. C'est bien, tout ça. Puis là, les parterres qu'ils ont fait chez moi aussi. Ah oui? Ah oui. Ah ben, mais pourquoi s'en priver? Et ça passe, pourquoi pas? D'accord. Non, tout ça, c'est chez moi. Tout ça? Oui. Tout ça, c'est chez moi. Tout ça, voilà. Ils ont fait tout ça. Chez ça... moi. Ah oui, d'accord. Oui, sur ma propriété. Est-ce que vous voulez, c'est pour ça que on va continuer de se battre. Personne n'a rien. Ils sont octroyés la parcelle. Voilà où on en est. Alors bon. Tout le comité était là. Puis je vous assure, s'il y avait eu des pierres, on était lynchés.
Par moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Hein. Vous savez que je l'ai eu toute petite, Chantal. Je me suis toujours occupée. Hein. Et ce changement brutal, moi, ça m'a complètement hébétée, époustouflée. J'ai rien compris à ça. Lorsque nous avions une fête de famille, que ce soit une communion, que ce soit Noël, que ce soit un baptême, Pâques, etc., elle a toujours été parmi nous. Je ne lui disais pas. Hein. C'est systématique. Chantal, elle savait qu'à Noël, elle était là, qu'à Pâques, elle était là, oui, que dès que les enfants étaient là, elle arrivait. C'était comme ça. C'était elle faisait partie de la famille. Hein. Et j'avoue que moi-même, j'aimais bien la gâter. Parce que je sais les conditions et les choix de vie qu'elle a. Ça, je les respecte. C'est normal. Et c'était un bonheur de lui faire goûter un peu les choses qu'elle n'avait pas l'habitude de manger. Elle n'avait jamais mangé de saumon, elle n'avait jamais mangé d'huître, elle n'avait jamais mangé... On lui a fait même goûter un peu de caviar. On lui a fait goûter des choses qui étaient un peu luxueuses. Alors vous allez me dire, oui, il fait le fanfaron, ils ont... Non, de temps en temps, quand vous faites une fête, vous faites du foie gras, vous avez des trucs comme ça. Donc on lui a fait découvrir un peu tout ça. Et aujourd'hui, là, j'avoue que c'est incompréhensible de voir maintenant cette haine qu'elle a envers nous. Parce qu'on n'a fait que la gâter. Quand on partait, des fois nous avions des mets qui étaient de très bonne qualité, qu'on n'avait pas fini, hein, on pensait toujours à les rapatrier chez Chantal. C'était un courant de sympathie qu'on avait pour elle. Ouais. Tiens, Chantal, au lieu de jeter ça, on va te le donner. Oui, ben, vous... Madame de Mur, elle lui a donné, je ne peux pas vous dire combien de fringues, ouais. Parce que ça aussi, c'était un plaisir de lui faire porter, enfin, de lui donner des choses que Madame de Mur ne mettait pas. On l'emmenait se promener. Moi, quand Jacques a vu sa Jaguar, tu te rappelles ? On était partis la journée entière à la promener. Et je lui ai mis la place devant. J'ai assis-toi devant, Chantal, tu vas être très bien. Mais on ne faisait pas ça pour faire... C'était pas le monde, comme vous avez. Hein. C'était parce que c'était un élan de naturel, quoi. Dire, tiens, on pensait toujours à Chantal. Que voulez-vous faire contre quelqu'un qui est borné, qui est buté, qui est... Il faudrait la marier. Pour la marier ? Alors là, il faut y aller avec des crampons. Hein. Oh. Ça ne vous intéresse pas la candidature ? Et il y a un héritage. Du tout. Il y a un héritage à prendre. Ah non, non, mais 17 hectares, 40 vaches. Ah, rien. Oh, c'est rien. Un coup quand même. Non, il ne veut pas se laisser faire. Hein. Non. Merde, c'est con ça. Parce que là, j'avais peut-être une chance de trouver une issue. J'ai encore bien caressé vos morceaux. Écoutez, je fais une proposition. Je paye la noce. Alors, non, enfin, même célibataire, je vous dis non. Ah, ouais. Ah bah dis, j'ai un pot de tombé, ça, alors. Hein? Il y a un pot de tombé. Ouais. Oh là, oui. Oh, ça, c'est dommage. Alors, le vent peut faire ça. Ben oui, le vent peut faire ça. Alors, là, on a la palissade. À réparer. Mais ça, c'est le vent, etc. C'est pas grave. Par contre, la chape qu'elle fait, là, elle n'est pas aux normes. Parce que elle doit être à 35 mètres de notre maison, de notre porte, là. Et il n'y a pas de fosse pour récupération des eaux de Purin. Si, elle devait faire. C'était marqué. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mais à la préfecture, elle avait dit. Attendez. Qu'on se mette bien d'accord entre nous. Elle n'est pas réglementaire. Elle n'a pas respecté l'éloignement. Ouais. Les eaux de Purin continuent d'aller dans les eaux pluviales là-bas. Hein? Oui. Elle ne respecte rien, cette personne. C'est une. Ben, la loi, c'est elle, comme elle dit, alors. On est tranquille. Bon, enfin. Chanel, il faut être respectueux de tes amis. Oui, d'accord. Alors, viens, on s'en va. On part. On vit un cauchemar. Hein. Oh, oui, là, c'est... Faut arrêter. Faut tout vendre. Geneviève, elle va se barrer dans le midi.
Quand on est avec les fous, faut pas rester, sinon on va devenir fou. Hein. On va devenir fou avec ces gens-là, c'est pas possible. C'est beau ce pays pourtant. Elle a le cul de ton pays. Hein. Ah, vraiment, ras le cul, hein, parce que là, avec des cons pareils, il faut aller ailleurs. Hein. Faut mieux aller au Sénégal, hein, ils sont quand même moins cons. Hein. Ouais. Est-ce que la tête est bien sur les pattes? Oui, oui, oui. Ah. Bon, épouse ma mère. Tirez! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Encore? Allez-y. Pas le pousser. Elle pousse. Elle est sortie. Ça y est. Encore, elle est sortie. Sorti. C'est bon, elle est sortie. Le demeure, c'est la gendarmerie, parce que vous avez été coupé avec. Alors, moi, je viens vers vous, pourquoi? Parce que les événements s'aggravent. Voilà. Car non seulement nous avons 50 mètres cubes de fumier à 3 mètres de notre porte, mais on y trouve des placentas. Là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour prévenir les services d'hygiène. Oui. Je vais finir par me mettre en colère. Ouais. Et puis son placenta, je vais lui faire bouffer. Bah oui, mais non. Pardon? Oui, mais non. Vous savez bien. Ah, mais monsieur, ça va se terminer comme ça? Parce que je suis pas d'une génération de couilles molles, j'ai quand même 78 ans. J'ai vécu des événements que pas beaucoup vivront. Et aujourd'hui, je suis à la limite du supportable. Mais personne ne m'aide, monsieur, dans ma démarche. Et je demande que ça, la vérité et la justice. Les aides extérieures, j'ai que dalle. Que ça soit l'ADAS, que ça soit le service d'hygiène, que ça soit tout le monde me tourne les talons, démerdez-vous. Après, ah, le drame arrive. Ça fait 7 ans, monsieur, que nous sommes sur cette affaire-là. Vous m'avez vu 1000 fois. Elle a perdu 7 procès. Et les gens sont solidaires. Pourquoi? Je sais bien, monsieur Lemur, mais bon, ça, après, c'est pas entre nos mains à nous. Hein. Ouais. Je peux pas... Alors, c'est la question que je pose. Vers quelle main je peux me tourner? Quelle main peut me secourir dans cette situation un peu stupide? Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais monsieur le maire, c'est une potiche. C'est une potiche, et j'ai pas peur des mots, monsieur. C'est un gars que j'estime, je l'aime bien, il mange à ma table, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas de couilles. D'accord. Ça va se terminer par un drame. D'accord. Ça va se terminer par un drame. Alors là, vous allez être obligé de jouer le rôle pour faire les constats de dégâts. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Ok, je compte sur vous, monsieur. Allez, Dieu vous garde, au revoir. Au revoir. Bon, est-ce que j'ai été clair? C'est que cette bande de cons, c'est pas le toquet. Il y en a pas un qui nous dit ce qu'il faut faire. Qui a urgence parce que je vais lui faire bouffer son placenta avant ce soir. Ferme bien parce que j'ai Ruby qui risque de sortir. Hein. Bon. On va essayer de faire une photo pour essayer d'apporter une preuve. Oui, il me faut que je fasse la photo de ça. La situation, d'accord. Parce que ça devient... Oh là là. Alors hier, le tas s'arrêtait là, tu vois, regarde. Ouais, je vois bien. Le tas s'arrêtait là et aujourd'hui, elle a remis tout ça là autour. Ça me porte au cœur. Regarde ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Regarde moi, ce qu'elle a fait. Pas, hein. Moi, je peux pas. Regarde alors, ça, là, cette horreur là. Dis donc, là, il faut que je le prenne quand même, alors dis donc. Non, amenez-moi votre appareil photo. Oui. Faites-moi une photo, là, quand même, qu'on essaie de voir. Oh là 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 là. Laisser là, des là. Traces de ça. C'est fait, c'est bon. Quel malheur. C'est vraiment oh la là meilleure. Là là. Ben, je. Voilà. Oh. Je peux pas rester là, ça me porte au cœur. Hein. Où on va, hein. Mais on est chez qui, là? On est chez les fous. C'est affreux, affreux. Bon, je vais prendre un peu en arrière pour bien prendre tout mon. Tout ça, monsieur Demure. Ça y est, bon, bah, ça va. Ben non, je l'ai pas prise, hein. Voilà, c'est bien. Voilà la gendarmerie. C'est très bien. Messieurs, bonjour. On est toujours dans le brame, hein. On est toujours dans bonjour. Le brame. Alors. Bonjour, monsieur. Voilà. Alors, ce matin, le tas, il s'arrêtait là. Non, j'y retourne pas, hein. Tout ça, ça a été rajouté dans la journée. Mais alors, retirez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas vivable, ça. Bah, c'est pas. C'est pas possible, hein. Moi, je vous suis. Moi, je craque complètement, je suis plus gentil du tout, hein. Je peux plus, là. Alors là.
ici, c'est chez moi. Alors, où sont les gendarmes? Alors Chantal, vous mettez les places, Chantal. Oui. On essaie de faire tout pour que ça se passe bien. Oui. Franchement, bon, on va le retirer quand même. Oui, non mais attendez, il va là, hein. Où est-ce que vous voulez que je le mette? Non, mais on va essayer de le mettre ailleurs, momentanément. Non, mais attendez. Oh, je vais l'enlever. Ah. Je vais l'enlever, ne vous inquiétez pas. Je vais l'enlever. Ça la dérange autant que ça. Vous l'enlevez provisoirement. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? On ira l'enterrer dans mes champs, si vous voulez. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Parce que demain, il y en aura un autre, Placenta. Alors, je ne vais pas le manger. On essaiera de... Non, c'est pas bon. Hein? Non, mais on essaiera de... À moins que je le donne aux vaches. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se montrer un peu plus intelligent que certaines personnes. Oui. D'accord? Je l'enterre dans le fumier. C'est nécessaire. Je le fais. Ça marche. Je le fais. Hey, attendez, je vais vous signaler autre chose. Par contre, il y a le petit-fils. Il a le permis de conduire. Il oublie de mettre le A. Non, mais c'est pas grave, ça. Ah non, mais attendez. Les autres. Non, mais on vous écoute, mademoiselle hein? Jeu. Il n'y a pas de souci. Les autres seraient pénalisés, mais lui, il ne l'est pas. Chantal, il se permet d'aller à Saint-Benin. Mais Chantal, comme ça. Mais quand il conduisait à 13 ans, avec sa grand-mère qui disait qu'elle s'en fichait parce qu'il y avait des gendarmes dans la poche. Voilà. Hein? Bon, alors. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je le signale quand même. C'est bon, on va le déplacer, le truc. On va le mettre là. Les normes européennes. Chantal, gaspillez pas la viande. La viande vaut cher en ce moment. Je m'en aperçois, j'en mange pas souvent. Monsieur le gendarme, est venu vous solliciter pour venir à la maison, vous ne venez pas. Et puis on prendra un terrain neutre, alors on va aller, si vous voulez, à la commune, je ne sais pas où, là. On peut très bien rester là. Là. Non, mon mari, sur le lieu du litige. Moi, ça me va, le fumier, jusque là. On en a marre dessus la tête. Ah oui, par dessus la tête. On ne croirait pas. On essaie d'arranger les choses. C'est pas pour s'animer, quand même. On vous expliquait que nous, on a essayé de faire un maximum pour limiter cette astreinte de 50 euros par jour. Mais je comprends très bien, nous, on ne la veut pas, cette astreinte. Comment ça, vous avez bien retiré l'argent, madame de Mure? Non, l'argent est bloqué, monsieur. Vous l'avez bloqué, vous n'avez pas touché? Non, mais vous deviez lui rendre. Mais monsieur, on a dit qu'on leur rendait l'argent. Ah bon. C'est mon mari. Oui. Tu l'as entendu à la préfecture, Chantal? Ah non, j'ai rien entendu. Si, je suis comme vous, j'entends ce que j'ai envie d'entendre. Tu vois? Alors on ne peut pas discuter avec toi, Chantal. Ben non, c'est bien. Si vous avez bloqué l'argent, il n'y a aucun problème. Mon mari m'a dit à Chantal, on te rendra. Il devait y avoir un protocole. Qu'est-ce qu'on a entendu? Moi, j'étais pas. Parce que, monsieur, il faut bien faire un protocole. Chantal dit oui un jour et non le lendemain. Ben, je suis comme toi. Exactement. S'il vous plaît. Bonnet blanc et blanc bonnet. Et voilà. Chantal, arrête. On n'est pas d'un âge à faire des comédies comme ça. Oui, vous, à 77 ans, puis 75 ans, c'est une honte. Tu m'entends? Il n'y a pas d'âge pour ça, Chantal. Non, pour la connerie, ça, c'est vrai. Regarde-toi, Chantal. Oui, non. Balais donc déjà devant ta porte. Toi aussi, Chantal. Regarde ce que tu m'as mis devant la porte. Non, je t'ai rien mis. Ah, ici, c'est chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est une cour commune. Non, ça m'enlève rien de la propriété. Point barre. Moi, je peux pas discuter ici. Je peux pas discuter avec Chantal qui s'énerve tout le temps. C'est impossible. Oui, moi, attends. Calme, pacifique. On va discuter ici. Ben, Chantal, tu dis ce que tu veux, mais moi, je veux pas discuter dehors. C'est clair. Oh, ben oui. C'est les odeurs. Écoute. Ah, ben les odeurs me disent. Numéro 5 de Chanel. Surtout. Ah non, je prends pas le numéro 5 de Chanel, Chantal. J'en prends un autre, mais pas celui-ci. Hein. Mais toi, tu le prends aussi, Chantal. Rappelle-toi quand il y a 10 ans de ça que tu m'en parlais. Alors, tais-toi. Hein. De quoi? Tais-toi, Chantal, de dire des bêtises tout le temps comme ça. Arrête. Oh là, tais-toi. Arrête. Mais calme-toi un peu, s'il te plaît. On connaît ce que tu peux faire. Bon, je rapporte ça. Hein. À côté. Alors, que je vous dise, messieurs. Mais lui, c'est pas qu'il veut pas, c'est elle qui veut pas qu'il vienne, c'est Chantal. Elle m'a sauté dessus comme une folie. Il n'est pas question qu'il aille chez toi. Allez, le beau, mon bébé. Allez, bébé, allez, viens. Viens, mon pépère, viens. Attends, mon titi. Viens, mon petit bébé. Viens, je suis là. Attends, maman. Oui, maman. Oui, c'est ta fille. C'est ta fille, maman. Voilà, c'est ta fille. Tiens, mon titi, tiens.
T'aides bien, mon pépère. T'aides bien. Là. Bon, allez, hop, on y va. Là. Ma Rubinette, viens, que je te prends dans les bras. Viens, ma fille, tellement c'est crade ici. Bon, viens, on va aller voir ton papou là-bas. Oh là là, c'est pas possible ça quand même, au 21e siècle. Pauvre, je rêve. Tu as aussi un autre coup de téléphone anonyme? Mais enfin, j'ai pas répondu. Oui. Allez, bébé. J'ai deux coups de fil anonymes, là. En peu de temps, en un quart d'heure, 20 minutes. Tu veux que je te dise ce qu'ils m'ont dit? Non. Ah, c'était gentil. Non. C'était très gentil. Non. C'est pas parce que j'avais été la plus belle fille du village, du pays et de la région, qu'il fallait que je m'octroie des droits pour enlever du fémur à une pauvre vieille. Laisse. Je t'en supplie, là, je suis en train de me... Ah ben, je raccroche sans rien dire, hein. Je suis avec mes chevaux, je suis bien, alors viens pas... Ah oui, c'était beau, hein, tout à l'heure. Avec ces conneries-là. Ah, ils vont vers toi, hein. Je suis jalouse. Tu te calmes, hein. Ils sont derrière toi, hein. Oui, là, ils ont... Viens, il faut te boulotter. Hé, hé. Non, Ruby, tais-toi, t'es trop petite. Ah, bébé. Viens, mon doudou, viens. Polémique autour d'un tas de fumier. À Villechevanne, une agricultrice a reçu le soutien de la population après avoir vu son compte bloqué en raison d'un tas de fumier trop proche de l'habitation d'un Parisien. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour... L'agriculture reçoit beaucoup d'argent. Mais moi, j'en ai pas. On ne me subventionne pas. Mais enfin, bon... C'est pas grave. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur, c'est toi, n'avait qu'à se retrouver les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour enlever son fumier et le mettre ailleurs. Alors, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que ce monsieur avait proposé de faire les travaux de sa charge. Il ne veut pas le savoir. Allez, appelle-moi le journal. Alors, bien, je vais piquer ma crise. Appelle-moi le journal. Oula, donnez monsieur que je vous appelle le journal. Donne Jacques. 03-86. Prends pas une attaque, hein. 45-30. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est la rédaction locale. Oui, monsieur, vous êtes un membre du journal. Voilà. Bon, je me présente, hein, c'est monsieur Demur à Villechevanne. Oui. Ça fait déjà 15 jours que vous passez des articles sur moi. Alors je me demande comment vous faites les déductions, comment vous faites les analyses pour écrire toutes ces bêtises. Car, monsieur, nous on est menacés de mort, on reçoit des lettres anonymes et on est réveillés à toute heure de la nuit. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça pour m'aider à arrêter cette polémique là? Oui, mais, c'est quoi mais? C'était compliqué, ouais. Il faut venir et puis faire votre métier, vous faites une petite enquête, vous regardez si les faits sont réels ou pas. La moindre des choses, c'était d'envoyer votre représentant pour qu'il puisse comprendre l'affaire. Moi, je veux porter plainte contre vous et pourtant, je ne suis pas, disons, un procédurier. Mais là, vous me mettez dans une situation délicate. Même ma femme, maintenant, vous lui faites faire de la dépression. Mais enfin, merde, qu'est-ce que c'est que ce journal? Alors, il faut arrêter votre métier, merde. Ou alors, moi, je vais là-bas et je vous défonce tous, hein, parce que là, j'en ai marre.
J'ai 78 ans, je voudrais vivre tranquille. Ça fait 2 ans que je me suis mis à la retraite, et aujourd'hui, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une bande de fous et de malades. Et puis je suis obligé de vous dire que vous êtes dans les malades. Vous êtes des professionnels ou quoi? Ou vous êtes là pour semer la merde? Il a raccroché. Il a raccroché. En plus, il est insolent. Le tas de fumier, il est chez Madame Jeu. Oui. Pourquoi il ne serait pas dans des remorques? Parce que les remorques ne sont pas disponibles. Bonjour, pour madame. Le laisser bonjour, dedans. Madame Jeu. Madame Jeu, Daniel Auclin, président d'une association pour l'environnement. Ah oui, d'accord. Non, Chantal, c'est normal, elle est là, c'est très bien. Voilà. On est là pour discuter. Aujourd'hui, le gros problème pour lequel vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le fumier dans la cour? C'est pour le tout. Il a été décidé qu'une dalle serait faite. Raccordée, de façon à ce que le purin ne reste pas, ne stagne pas, ne rentre pas en terre. Il va où? Ben, venez voir. On va vous montrer. Et donc, on va vous montrer ces travaux qui viennent d'être faits. Voilà. C'est pas que je veux vous mettre en dehors de chez vous. Comptez-vous prendre votre retraite? Ne parlez pas de ça. Non. Moi, j'ai 63 ans, mais vous, passé, oui. Je l'ai prise, eh ben, et puis bien. J'en suis contente, oui. Parce qu'un jour, il faut la prendre. Oui, mais là, non, je vois pas. Non. Parce que poser la question à eux, ils sont toujours en activité aussi. Elle a 75 ans, elle va avoir 75 ans, on a 10 ans d'écart. Et lui, elle est 77 ou 18. Oui, elle est toujours en activité, je vois pas pourquoi moi... J'aurais à prendre. Moi, je suis chef d'exploitation. Je suis chez moi, je ne suis pas comme celui qui est ouvrier. Mademoiselle, elle n'a pas de retraite, elle n'a pas de retraite. Bah, bien sûr. Et elle n'a pas de retraite. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas de voiture, elle n'a rien. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé, c'est moi qui vous ai appelé. C'est vous qui m'avez appelé. Écoutez, madame, je ne voudrais pas faire un débat extérieur parce que ça va se terminer très mal. Non. J'ai toute une association contre moi. L'alignement n'est pas bon. Elle est à 10 mètres de ma maison. Je rêve. Non, mais vous voulez un mètre, madame? Non, monsieur, mais vous voulez un mètre? Non. Bon, alors, madame, je ne discute pas. Vous je n'allez vous pas. Dis que je suis à 10 mètres, elle me dit non, elle conteste. Non, je lui donne les éléments dis... de faire la preuve, elle dit non. Vous voyez, le débat est mal parti. Ce que je dis, c'est que vous avez accepté. Vous vous détaisez, je ne sais pas de quoi vous faites, vous n'êtes même pas de billets. Alors. Elle n'est pas de billets. Elle est comme vous, alors. Ma femme est de billets. Mais et vous, ça vous donne quoi? Chantal. Terminares. Et quand j'entends des trucs comme ça, moi je ne fais pas de monologue, je veux un dialogue. Moi aussi. Ce qui ne vient pas de lui, ça n'a aucune valeur. Il faut qu'ils aient la primeur. Arrêtez, vous vous faites passer pour un corps social. Et vous avez dépensé 200 000 balles de frais d'avocat depuis que... Oui. 200 000 balles. Et aujourd'hui, je suis un cas social. Oui. Et des cas sociaux comme ça, vous repasserez. Dis donc, rendons les 17 000 euros, éconard. Vous écoutez ma version, vous écoutez la leur, et vous ferez votre jugement vous-même. Oui, tout à fait. Voilà, tout à je crois que c'est mieux parce que là, 1, 2, 3, 4, c'est déjà pas mal. Le gros problème là aujourd'hui, c'est le... de fumier. En plus. Bon, ça, c'est la nouveauté, ça. Elle aurait pu le mettre là, hein. Je ne sais pas pourquoi elle l'a mis devant ma porte. Mais attendez, madame, hier, j'étais obligé d'appeler la gendarmerie pour retirer un placenta qui était juste devant ma porte. Alors, c'est pas vrai. Faites voir où il était. Si vous n'étiez pas allé regarder, oui, faites voir où il était. Vous n'avez pas le droit. Je vais lire, là. Ici, c'est une cour commune. Hein. Vous avez perdu le passage. C'est sa cour. Alors là, vous rêvez. Là, voilà. il était là. Le placenta. C'est pas devant ma porte, ça? Non, c'est pas devant votre porte. Attendez, là. Ah, je délire. Le placenta était là. La gendarmerie est venue pour les faire retirer. Ouais, je vais retirer. Non, je veux pas que vous me touchiez, là. Alors surtout évitez ça. Hein. Ne me touchez pas. Non, mais arrêtez, venez voir. C'est là, vous me regardez dans les yeux, là. Moi, je regarde dans les yeux, moi. J'ai un ami qui... Ne me touchez pas! Pourquoi vous l'avez touché l'autre jour? Non, parce qu'il était devant ma porte, il me bouchait le passage. Non, vous êtes chez Chantal, ici. Ah, c'est pas vrai, il était là! Mais vous avez tout ça dans la tête! Vous êtes chez Chantal. Vous êtes des malades! Vous voulez les papiers? Oui, oui, je vais vous faire voir les miens. Non, on n'en veut pas. Alors, vous êtes... Alors, ça c'est beau. J'ai mes papiers, vous en voulez pas. Allez vous faire voir. Vous n'avez pas un geste très distingué, monsieur. Non, il est pas distrait. Avec des ploucs, non. Alors là, comme plouc, j'ai jamais trouvé pire. Ne vous approchez pas! Parce que là, la rage va me prendre! Et là, je réponds plus de rien! Tu vas descendre de ton escalier! Non, mais attendez, là, ils sont complètement en train de déconner! Dites-moi la vraie raison de ce qui se passe! Vous embêtez Madame Jeu sans arrêt! Sans arrêt, vous l'embêtez! Qu'est-ce qu'on embête, quoi? Hé, toi, t'es un mythomane! Mais tu es malade! Faut qu'il vous montre son intérieur! Ah oui, c'est sûr, tout ça! Pauvre con, là!
Et quant à toi, là, si t'es un homme, si c'est un homme, ce mec-là, je veux le voir tout seul. Je veux le voir tout seul, toi. Mais hier, déjà, vous avez dit ça. Tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous êtes? Vous, je vous connais moi, pas. Moi, je suis sa femme. Ah, oui, vous êtes sa femme. Monsieur Demure, je ne vous tutoie pas. Alors, disons, tu parles d'un cadeau. Pourquoi vous le tutoyez? Je ne vous tutoie pas. Et voilà. Si c'est un homme, je peux le tutoyer. Mais c'est quoi? Non, monsieur, je n'accepte pas que vous me tutoyez. Pour qui vous vous prenez pour non plus, on n'a pas gardé, on a pas gardé les cochons ensemble. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? T'habites à 3 km. N'importe t'es même pas quoi au courant. Quand vous avez jeté Mademoiselle Jeu avec sa brouette de fumier et que vous lui avez balancé son tonneau au mois d'avril 2005, con, vous vous rappelez pas? Quand je passe, ça me verse une brouette de purin sur les pieds. Je suis accroché à la figure des fois. Et ta fourche que toi. Et puis le Ricard que tu m'as envoyé dans la figure. Oui, j'aurais dû te mettre mon poing dans la gueule. Oh là là. Bon, madame. La presse. Non, mais vous me direz ce que vous voulez voir. Je suis pas là pour vous cacher les choses. Aujourd'hui, je suis heureux de voir monsieur, parce que j'ai jamais eu personne. Ils ont fait 10 articles sur moi sans m'interroger. Vous. Qu'est-ce que c'est que cette presse du centre? Normalement, on interroge les deux parties. Merci, madame. Je sors des bas-fonds. Moi, j'ai pas hérité d'une ferme. Oui. Son père a eu. Moi, je suis né dans une famille de 7 gosses. Et mon père est mort, j'avais 8 ans, on m'a mis à l'assistance publique. Oui. Non, je pleure pas, je suis content de mon sort. Et je sais évaluer les valeurs, et cette dame-là, je l'admire, Chantal, je l'admire. Ce qu'elle fait, c'est un travail de damnée. Et j'en suis conscient, plus que vous, je la vois tous les jours, par tous les temps, sur le verglas, la neige, le soleil, oui, transporter ses brouettes des fourmis. Mais quand j'arrive ici, et que je vois des cons qui me disent « Sale Parisien, 20 ans, c'est comme les Boches, on n'en veut pas !» Quand vous avez ça en face de vous... C'est la mièvre. C'est la mièvre. Quand vous avez ça en face de vous, et que vous vous souvenez que vous avez fait les barricades contre les Boches... Je reviens ici, j'ai tout. Vous, je sais pas quel âge vous avez, mais monsieur, moi, je suis plus d'âge à supporter ces conneries-là. Alors, je reviens sur la question des travaux que nous avons faits. Je me suis rapproché de Chantal. Je connais bien Chantal, c'était la petite sœur de la maison. Mmh. Et je lui ai dit « Chantal, je vais te mettre aux normes, à mes frais. » Alors là, monsieur, là, tu es un espèce de vieux con, t'es pas là pour me réchanter. Monsieur, elle m'a poussé à l'extrême limite. Car je ne voyais pas d'autre issue de faire la saisie de son compte en banque, que je n'ai pas touché, et Dieu merci, cet argent, il est bloqué. Je n'y toucherai jamais. Vous lui rendrez? Monsieur, je suis un lyonniste, moi, monsieur. Et justement, votre question est bonne. Si elle se mettait dans les règles, je remboursais. Je lui restituais l'argent si elle se mettait dans la réglementation. Or là, il n'est pas question que je lui rende, puisqu'elle est en dehors de la réglementation. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. On me dit que j'ai fait ça pour l'argent. Vous l'avez dit dans la presse. Simplement, aujourd'hui, donc, si Chantal Jeu se met aux normes, si Chantal Jeu respecte un petit peu les distances et ce que vous souhaitez, donc vous lui restituez effectivement ce... Amen. Alors, en ce jour ensoleillé et gai, nous voudrions, nous, comité de soutien, avec Mireille Gib et tous les participants, donc vous accueillir, vous qui avez soutenu Chantal tout au long de cette aventure. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous montrer cette dalle bétonnée qui va donc recevoir le fumier. Nous allons couper le ruban pour cette dalle, n'est-ce pas? Inaugurée officiellement. Inaugurée officiellement. Donc vous êtes vous êtes des actionnaires, mais je tiens à vous dire que vous n'aurez pas de dividendes. Hey, et c'est vous, hein? On ne bouge pas. Ah ben, hey. Voilà. Voilà. Hey, ça je vais lui dire. Non, hey, comme si tu avais besoin de passer un moment, espèce de colère. Chantal, on a dit qu'on ne bougeait pas. Non. Il le fait exprès. Chantal, est-ce que vous préférez qu'on serve le café et les petits gâteaux maintenant ou est-ce qu'on déplace le fumier? On déplace chauffeur. Où est le chauffeur? Allez-y.
Amenez, amenez. Oh. Là. Oh. Oh. Bravo. C'est beau, c'est super. Là, c'est vraiment de la merde, hein, c'est pas. Puis, là, disons, il est balèze, hein, parce qu'elle ne met pas beaucoup de paille. Hein. Ah ben, c'est quand même pas hygiénique. Hein. Ouais. Ben, ça sert à rien, c'est ça ce qui a été fait. Ouais. On en vient à ce qu'il y avait avant. On va continuer à payer des astrates. Hein. Il ne reste plus que ça à faire. Hein. Je suis quand même découragée. Hein. Quand même, je suis quand même anéantie. Parigot tête de veau, cutéreux pecno. Parisien tête de chien, tous cochons comme copains. Striptease vous déshabille.